Jean-Paul! Sophie! Jean-Paul, je suis tellement heureuse de vous voir! Je vous attendais. La réception m'a prévenu que vous étiez arrivé. À l'instant, après une traversée épouvantable. Ah bon? J'avais ma cabine qui était mitoyenne de celle du commandant. Alors je ne sais pas s'il avait un problème d'amygdale, mais alors il a ronflé toutes les nuits. Et en plus, il était insensible au tangage. Mon pauvre Jean-Paul. En tout cas, qu'à cela ne tienne, pendant que vous tanguiez, je me suis permise d'envoyer quelques papiers à la rédaction. Ils ont trouvé ça remarquable. Enfin, Sophie, vous envoyez des papiers sans clichés. Ça marche très bien. Ben, c'est nouveau. Le rédacteur en chef, Jean-Paul, m'a même félicité en personne. Sophie, mais la photo dans un article, c'est très important. Une image, une photo, ça vaut mille mots. Ça véhicule des messages, des symboles. Et vous me citez Laurent Jacques, mais il ne comprend rien aux photos, ça n'intéresse pas d'ailleurs. Vous prenez deux singes, un ouistiti pygmé et un sapajou capucin, il est incapable de faire la différence. Alors... Vous êtes plein de préjugés, Jean-Paul. Mais c'est très bien les préjugés. Sophie, que pensez-vous de la cité de Naples? Pour être honnête avec vous, je n'imaginais pas comme ça. Effectivement, connaître... c'est dépasser les préjugés. Mangez un calisson. Mais Jean-Paul, vous allez où? À la découverte de Naples, Sophie. Cette nouvelle mission n'avait pas débuté sous les meilleurs auspices en ce qui me concernait. 3 jours de retard et une traversée épouvantable dont je me serais bien passé, mais j'avais déjà oublié la pénibilité du voyage dès le premier regard posé sur cette merveilleuse baie dont je connaissais tous les recoins. La belle Naples était l'une de mes destinations préférées. Je tressaillais. J'avais la gorge nouée d'émotions en songeant à chacun de mes périples passés dans cette cité torride. Pour tout vous dire, j'étais à l'origine même de ce voyage napolitain. Oui, il m'avait fallu convaincre une direction très réticente sur le fait que Naples pouvait s'affirmer comme une grande destination touristique en Italie, comparable à Rome ou à Florence. C'est presque à reculons que notre rédacteur en chef, Laurent Jacques, avait accepté de nous envoyer ici en reportage. Moi, j'ambitionnais de lui démontrer qu'il fallait dépasser les préjugés sur la mauvaise réputation de la ville et rendre hommage à ses splendeurs insoupçonnées accumulées au fil des siècles depuis l'Antiquité. En ce sens, j'avais apprécié la réaction de Sophie, parce que je savais bien que la fâcheuse réputation de la ville l'avait quelque peu inquiétée. Mais voilà qu'en seulement 3 jours passés à arpenter ses ruelles, seule et sans guide, elle commençait déjà à succomber aux charmes inouïs de la cité. J'allais maintenant lui montrer combien la mauvaise réputation de Naples était injuste, imméritée même au regard de tout ce que la cité portuaire avait donné au monde méditerranéen. Premier centre urbain de l'île, carrefour d'art et de culture, Naples a marqué de son empreinte l'histoire de la Méditerranée, fascinant des générations d'hommes à travers les âges.
La ville fut l'un des grands phares de la civilisation occidentale et ses rues regorgent aujourd'hui de monuments de palais qui attestent de cette grandeur incroyable. La première chose qu'il convient de visiter à Naples, c'est son rivage, son bord de mer, parce que Naples, c'est d'abord un port. J'avais donné rendez-vous à Sophie devant l'un des monuments les plus emblématiques de la baie napolitaine, il Castello dell'Ovo, une imposante forteresse normande rehaussée d'un romantisme certain. Beau celui-là. Il y en a partout. Quelle belle lettre, ça. Mais enfin, Jean-Paul, mais qu'est-ce que vous faites ? Sophie, vous tombez bien. Je mesurais en coudé la longueur de ce canon. Oui, c'est ma passion, les canons. Celui-là, par exemple, pouvait tirer des boulets de 3 à 4 kilos sur une distance de 100 à 150 mètres. Oublions que tous les 10 ou 12 coups, il implosait. Mais ça fait une heure que je vous attends en bas. On avait rendez-vous. Pas de ça entre nous, hein ? En effet, je testais votre aptitude à résister à la rue napolitaine. À survivre, entouré de remparts avec des canons. Bien, vous ne croyez pas si bien dire. Prenez votre carnet et notez. Je vais vous dicter un article qui aura une portée mondiale. Celle-là, elle est excellente. Hein. Le canon serait apparu au XIVe siècle en Europe. Canon, du latin cana, tube, mais il n'en reste pas moins que le canon vedette dans l'histoire restera quand même le canon Ribeauval. Le XVIIIe siècle, ce canon serait apparu sur les terrains corses en 1765. J'en doute beaucoup, à mon avis, il est apparu en 1774. Mais Jean-Paul, je suis désolée, mais je vois vraiment pas où vous voulez en venir. Bon, ne vous inquiétez pas. Mais Jean-Paul, ça va ? Mais Jean-Paul, j'étais pas inquiète, hein. Je savais que vous aviez confiance en moi, Sophie. Je trouve que démarrer notre article par la baie de Naples, c'est vraiment très bien. Vous savez que Naples, c'est une très belle ville, c'est une cité portuaire. Au Moyen Âge, elle a été la plus importante cité portuaire avec la plus grande étendue, la plus peuplée, et jusqu'à nos jours. C'est vrai que quand on pense à Naples, c'est pas vraiment l'idée du bord de mer qui nous vient tout de suite à l'esprit. Non, si je vous dis Naples, vous pensez à quoi ? Je dirais des rues étroites, bondées de monde, il y a de la vie à Naples. Certaines personnes la qualifieraient même de douteuse. Et puis bien sûr, le Vésuve et Pompéi, Jean-Paul. Faut tordre le cou aux idées reçues, aux préjugés. Je suis d'accord. Naples, c'est une très belle ville. Oui, l'endroit où nous sommes, là, c'est un îlot. Eh bien, il y a 2800 ans,
les Grecs avaient installé leur première colonie. En tout cas, Jean-Paul, ce château n'a rien des constructions grecques, on peut le dire. Oui, ça c'est normal. Parce que ce château a été bâti au XIIe siècle par les Normands, à l'époque où ils régnaient sur la Sicile. Et ils avaient étendu leur royaume jusqu'au nord de Naples, jusqu'aux états pontificaux. Ici, à cet endroit, il y avait avant un monastère et un fort romain détruit par les Sarrasins. Et puis, il faut savoir que ce château, tel que vous le voyez aujourd'hui, il est complété par les Aragonais. Au départ, les Normands construisent des édifices carrés, et puis les Aragonais vont ajouter des bastions, et puis des constructions cylindriques, des tours. Et puis, vous savez qu'ici s'attache une légende très importante que les Napolitains connaissent bien. Que l'on doit à Virgile. Un sorcier aurait caché il y a très, très, très longtemps un œuf magique ici. Et si vous dérobez l'œuf magique, le château s'effondre et la cité de Naples disparaît. Mais c'est ça qu'il faut écrire dans l'article, Jean-Paul. Pas votre histoire de canon, là. Puis, cet œuf, il doit y avoir des diamants dessus, des saphirs. Un peu comme celui de ma grand-mère. Ah, votre grand-mère, elle a un œuf. Vous venez d'éveiller mon attention, Sophie. Enfin, cela dit, les canons, ça peut être très beau, Sophie. D'où, d'ailleurs, l'expression « les canons de beauté ». Mais que voulez-vous ? J'aime ce fort au milieu du golfe, d'autant que les Napolitains ont su métamorphiser son austérité en un lieu de promenade bucolique. Oui, lui qui n'est autre qu'un ouvrage militaire ayant servi de prison au siècle dernier, eh bien il se veut aujourd'hui un espace romantique dédié aux amoureux, plébiscité par les jeunes mariés pour servir de cadre à leur photographie de mariage. Ça, c'est tout l'esprit napolitain qui s'exprime ainsi. Une certaine inclinaison pour la fantaisie et l'amour. Naples a longtemps symbolisé cela. Les auteurs du XIXe siècle, Musset, Lamartine et Stendhal, ont loué avec force la délicieuse douceur de ce golfe, tout comme l'extraordinaire excentricité et joie de vivre de son peuple. Naples est une terre de contraste. Elle est irrésistible, fascinante. Elle balance entre la grâce naturelle de cette baie aux courbes parfaites, baignée d'une lumière pure, et une vie terrestre tout en exubérance. Ça, on dirait un pan. La balafre. Quoi ? Geoffrey de Perrac. Et c'est dans ce genre de décor qu'on tournait Angélique, marquise des anges. Indomptable, Angélique. Merveilleuse, Angélique. Vraiment, rien ne vous émeut, Sophie. Non, c'est pas vrai. Regardez, cette forteresse offre une vue imprenable sur toute la baie de Naples et ses environs. C'est magnifique. Oui, enfin. Jadis, le danger, il venait plutôt de la mer. Et oui, la baie s'ouvre sur l'Espagne, la Sardaigne, Tunis. Elle était un port naturel propice aux échanges de marchandises en Méditerranée, Jean-Paul. Regardez, un enrochement naturel, une baie profonde. Mmh. Au nord, l'île d'Ischia. Au sud, Capri. Non, ça, je connais un endroit qui ressemble assez à la baie de Naples, c'est Piombino. C'est moins échancré, c'est moins profond, c'est moins intéressant. Cela dit, les Grecs, eux, au 8e siècle, ils avaient compris que c'était l'endroit idéal. Ils ont fondé une colonie ici. Et au 5e siècle, il y a eu une bataille très importante entre la flotte grecque et la flotte étrusque. Syracuse était l'un des royaumes les plus puissants du monde, Jean-Paul. Rival de Sparte, de Phocée, d'Athènes, sa flotte était réputée invincible. Et tout son royaume, d'ailleurs, s'étendait à toute la Sicile et à l'extrême sud de la péninsule italienne. C'est incroyable. Bon, la réputation de la flotte grecque était fondée parce qu'ici, au 5e siècle, il y a une bataille très importante. Les,
Les Étrusques voulaient prendre Naples, qui a toujours été très disputé. Les Napolitains, sous domination grecque, se sont défendus. Et les Grecs venus de Syracuse sont venus aider les Napolitains. La flotte étrusque s'est trouvée prise en étau, en tenaille. Elle a été entièrement anéantie. Et les historiens s'accordent à dire que, depuis le 5e siècle, on peut dire que la culture étrusque, la civilisation étrusque va s'effondrer littéralement dans cette baie. Ce sera fini des Étrusques qui pourtant dominaient le commerce maritime de l'époque. Eh bien, c'est ici que tout va s'achever pour les Étrusques. Incroyable. Geoffrey de Perrac. Michel Mercier. Oui, je connais. Mais oui. Alors justement, à l'époque, moi je trouve qu'ils avaient fait un pari exceptionnel. Ils avaient fait en sorte que Robert Hossein boite. Et il arrivait à séduire Michel Mercier. Et je peux vous dire que pour les garçons valides, c'était une belle leçon de séduction. Parce que, quand même. C'est pour ça que vous me boitiez tout à l'heure. Bien sûr, parce que Robert Hossein. Oui, mais quelle leçon. Je suis désolé. Ah, mon cher Jean-Paul. Ça suffit. Qu'est-ce que c'est beau? Nous quittions donc, clopin clopant, cette presqu'île artificielle reliée à la terre ferme par une route étroite battue par les flots pour gagner le centre de la cité et plus précisément la Piazza del Plebiscito, la plus grande place napolitaine. Elle était depuis le Moyen-Âge le centre de la ville, l'endroit où se déroulaient les festivités populaires. Au début du 19e siècle, Joseph Bonaparte, roi de Naples, décida de convertir le lieu en un centre de pouvoir politique. Les anciens bâtiments furent détruits et remplacés par des palais d'État à l'architecture néoclassique, dont le gigantesque hémicycle dorique en marbre, bâti à la demande même de Joachim Murat. Au centre des colonnades, un bâtiment imposant rend hommage au faste napoléonien et au goût prononcé de l'empereur pour le génie artistique des Romains de l'Antiquité. Vous riez, mais j'avais réalisé en maquette le temple d'Athéna et cette basilique. Oui. Vous avez des talents cachés, Jean-Paul. C'est pas facile, parce que vous savez, déjà, avec les allumettes, c'est pas facile. Mais avec des petites pièces en plastique, il fallait le faire. En tout cas, regardez comme c'est grandiose, tout à l'honneur de l'Antiquité grecque. Antiquité grecque, ça date du 19e siècle. Ça a été fait à l'époque du royaume de Naples, à l'initiative du roi Murat, pour son beau-frère, l'empereur, qui adorait le style néoclassique. Et ça n'est qu'après que ça a été dédié en basilique à Saint François de Paule. D'où ce style un peu curieux quand même, avec ses colonnes et ce dôme. C'est magnifique. Et vous savez, Jean-Paul, Saint François de Paule n'était pas le saint patron le plus connu de la ville. En revanche, il figurait en bonne position parmi les 52 saints patrons les plus réputés de Naples. Et son histoire est particulière, elle est féerique. Il a été vénéré de son vivant. Il est né à Paule, en Calabre, et il a passé les 25 dernières années de sa vie à la cour du roi de France. Ah bon, ça c'est surprenant, parce que pour moi, Saint François de Paule, c'est un ermite qui a créé un ordre franciscain, les minimes, qui ne buvait pas de lait, ne mangeait pas de viande, pas d'œufs, qui vivait dans le plus grand dépouillement matériel. Oui, mais Saint François avait un don, par simple apposition des mains, un don de guérisseur. Et vous avez raison, il a passé les 65 premières années de sa vie dans le dénuement, la charité, l'humilité. Il a fondé son propre ordre, qu'il a réussi à faire reconnaître par la papauté. Mais ces dons de guérisseur étaient de plus en plus réputés. Donc il a été appelé au royaume de Naples pour guérir et soigner les membres de la famille royale. À cette époque, le roi de France, Louis XI, était mourant. Et il fait appel au pape pour qu'il intercède en sa faveur auprès de Dieu. Et à la fin du XVe siècle, les relations entre la papauté et la France étaient mauvaises. Et donc le pape voit là une façon de raffermir les liens. Il ordonne à Saint François de se rendre au chevet du roi de France à Tours. C'est trop tard. Il est mourant, il ne peut que l'accompagner dans son dernier chemin vers Dieu. Mais ses successeurs, Charles VIII et Louis XII, vont le garder comme fameux guérisseur. Et donc, il va passer les 25 dernières années de sa vie à la cour. Il va mourir à 91 ans à Tours.
Bon, ben, c'est un beau personnage qui méritait un tel hommage, un tel bâtiment. Hein. Cela dit, ça me rappelle quelque chose. Regardez les colonnes, le dôme, c'est la copie du Panthéon de Rome. Eh bien, vous avez raison. Excepté les deux petits dômes et les colonnades, c'est la réplique du Panthéon de Rome, Jean-Paul. Ça mérite une illustration dans notre article. Bougez pas, Sophie, bougez pas, je vais vous faire une photo. Sophie, prenez la pose, mettez-vous là, voilà, voilà, bougez pas, hop, admirez le photographe. Parfait. Merci. À l'origine, cette réplique du Panthéon de Rome devait être un bâtiment civil dédié au culte des monarques napolitains. Mais en 1815, la chute de l'Empire permet le retour des Bourbons d'Espagne sur le trône de Naples en la personne de Ferdinand Ier. Le nouveau roi décide de faire du bâtiment, qui n'est pas encore achevé, une église consacrée à San Francesco di Paola. Officiellement, le roi motive sa décision par le fait que le saint homme aurait séjourné dans un monastère situé sur cette place et détruit au moment où le lieu fut transformé par les architectes napoléoniens. Mais les Napolitains racontent une autre histoire. En fait, le roi vouait en secret un véritable culte au saint et se serait souvent adressé à lui pour qu'il intercède auprès de Dieu afin de l'aider à reconquérir le trône de Naples. Cette église, érigée au rang de basilique par le pape Grégoire XVI, symboliserait alors la dette du roi envers le saint homme. Jean-Paul, avez-vous pris le temps d'admirer cette magnifique coupole? J'ai fait plein de photos. Hein. L'appareil en est truffé. Regardez. Elle est magnifique. Est-ce que vous saviez qu'elle symbolise le globe terrestre? Vous croyez? Remarquez que comme la basilique date du 19e siècle, c'est tout à fait possible. Mais si elle était plus ancienne, je vous aurais dit que c'était tout à fait impossible. L'Église a prétendu pendant longtemps que la Terre était plate, alors... Et non, Jean-Paul, ça c'est vraiment une idée reçue. Ce qui était décrié à l'époque de Galilée, c'était la théorie du mouvement de la Terre autour du Soleil. Mais tout le monde, depuis l'Antiquité, savait que la Terre était ronde. Et d'ailleurs, la coupole du Panthéon de Rome symbolise le globe terrestre et la sphère stellaire. Et ici, comme à Rome, il y a un oculus qui laisse passer la lumière. Et pour moi, il symboliserait le divin et le soleil, la lumière qui traverse la voûte stellaire pour éclairer les hommes. Ça, c'est poétique. On pourrait le mettre dans l'article. Enfin, vous êtes certaine de votre affaire sur Galilée, parce que ça, il ne faut pas se rater. Hein. Ah, mais j'en suis certaine. La théorie de Galilée, c'était que la Terre tournait autour du soleil et que le mouvement des marées était une preuve de ce mouvement. Mais c'est vrai que ces positions, ces théories étaient énormément décriées par les autres scientifiques à l'époque. D'ailleurs, il était quand même un petit peu provocateur. Et donc, il s'est retrouvé, c'est vrai, isolé, seul contre tous. Ça ressemble beaucoup au Panthéon. Hein. Bah oui. Moi, j'ai une idée. Bon. Je vais prendre des photos. Je vais aller au labo photo, chez Mathieu, au journal. Et je vais mettre les photos du Panthéon à la place de ces photos. Et on va faire sortir ça dans l'article. Alors vous allez voir la tête de Laurent Jacques, le rédacteur en chef, quand il va découvrir ça dans la revue. Je peux vous dire que ça vaudra le détour. Hein. Ça vraiment... Quelle blague de bon goût, Jean-Paul. Mais ça se fait dans la presse. C'est tout l'humour de la presse qui est résumé dans cette affaire-là, Sophie. Vous avez toutes les idées. Je vais le faire, je vais le faire. Admirez plutôt.
vérification faite, Sophie avait entièrement raison au sujet de Galilée. J'apprenais même que le savant avait multiplié les offenses envers les autres scientifiques de son temps, obligeant le pape à intervenir non pas contre les théories de Galilée, comme je l'avais toujours cru, mais bien contre son comportement provocateur et irrespectueux. Sophie, vous allez briser mon appareil photo. Vous vous donnez un spectacle devant le Palais Royal. Je vous rappelle que nous sommes les garants de l'orthodoxie historique. Nous travaillons dans la plus grande revue d'histoire d'Europe. Mais Jean-Paul, je fais comme beaucoup de Corses qui sont venus ici. Je suis littéralement tombée sous le charme de cette cité napolitaine. Je l'aime. Devant le Palais Royal. Imaginez Jean-Paul, un roi, sortir de ce palais et tomber littéralement... Oui, amoureux de vous et vous deviendriez reine d'Espagne. Ouais, c'est déjà bien reine. Ah oui. Bon, remarquez, au temps de la maison de Savoie, vous auriez pu devenir duchesse. Et au temps des Bourbons, reine. Et plus près de nous, impératrice. Parce que durant l'Empire... Ce palais royal hébergeait la famille de Murat, c'est-à-dire Joachim Murat, roi de Naples, et Caroline, son épouse. C'est vrai que Joseph Bonaparte et Murat, le mari de Caroline de Bonaparte, ont tous les deux été rois de Naples entre 1806 et 1815. Et c'est pour ça, Jean-Paul, qu'il y avait beaucoup de Corses ici à Naples. Ah oui, ça, il y a eu beaucoup de Corses, notamment au temps de l'Aragon, au temps de la présence espagnole. Vous savez, les Corses étaient très recherchés dans les armées européennes. On oublie souvent que les grandes figures de l'histoire de Corse ont été de grands soldats. Alors, prenons Saint-Pierre Ougours, capitaine de l'armée du roi de France. Prenons Luigi Jaffer, colonel dans la petite armée de la République de Venise. Comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Et puis alors, plus près de nous, vous avez eu les soldats qui s'engageaient dans toutes les grandes armées du Piémont, de Sardaigne, de France. C'était une grande tradition chez nous. Et je crois d'ailleurs que Pascal Paoli est passé par ici. Oui, absolument. Alors, Jacinto Paoli, quand il est parti en exil, il a quitté la Corse, il est venu ici, il s'est installé avec son fils. Il s'est engagé dans le régiment Corsica. Et Pasquale Paoli, le père de l'indépendance corse, il a été également un soldat du régiment Corsica. Puis plus près de nous, vous avez eu le régiment, le Real Corso di Napoli, qui a été créé justement par Murat. Là, il y avait des Corses qui ont été de grands soldats, qui se sont battus contre les bandits de grand chemin, qui ont rétabli vraiment la sécurité, l'ordre sur les routes. Et puis en face d'eux, vous aviez les Anglais qui avaient créé le Corsican Rangers. Là aussi, que des Corses commandés par Hudson Law, qui va devenir le geôlier de l'empereur sur l'île de Sainte-Hélène. Et il faut savoir que, comme les Anglais et les Français se disputaient Naples, eh bien, le Real Corso di Napoli et les Corsican Rangers se sont affrontés. Il y avait des Corses des deux côtés qui se tiraient dessus, ici. Ah, les Corses et leur passion pour la chose militaire. Mais c'est vrai qu'ils ont combattu aussi bien à pied qu'à cheval, sur mer, au service de souverains pontifs, de monarchies européennes, d'États italiens. Et vous avez raison, quand on parle de régiment, eh bien jusqu'à la fin du 19e siècle, ces noms des régiments évoquaient des noms corses. Je suis contente parce qu'on va rendre un bel hommage aux Corses dans notre article. Donnez-moi ça. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pensais à votre désir de devenir souveraine. Oui, alors ? Je vous préviens, Sophie. C'était pas tous des premiers prix de beauté, hein, je vous le dis. Bon, moi, je vais faire quelques photos. Je laissais donc Sophie nous rédiger un bel hommage aux valeureux soldats corses qui avaient bataillé aux quatre coins de la Méditerranée avec ardeur et passion. Pour ma part,
je me consacrais à ces statues de marbre qui ornaient la façade du palais royal, car elles figuraient 8 des grands rois qui avaient dirigé ce royaume napolitain, illustrant de la sorte la longue histoire de la cité. Il y avait là des rois normands, Roger Roségonde, Frédéric II, Charles d'Anjou, Alphonse V d'Aragon, Charles V de Habsbourg, Charles III de Bourbon, Joachim Murat et Victor Emmanuel de Savoie, soit les représentants de toutes les grandes maisons d'Espagne, de France, d'Autriche ou de Savoie qui avaient gouverné en ce lieu. Ces statues, au style vestimentaire bien différent, témoignaient du grand brassage culturel qui avait forgé la ville, car cette cité portuaire remarquable avait fait l'objet de toutes les convoitises au cours des siècles. L'enjeu avait fait la réputation de Naples, devenue au gré des rivalités, un centre géopolitique majeur en Méditerranée, un carrefour unique que chacun avait voulu marquer de son empreinte. Chaque grande passation politique avait alors conduit à des transformations radicales de la ville, remodelant totalement son urbanisme. Et c'était à la dernière grande phase d'occupation espagnole de la cité que l'on devait la plupart des splendeurs architecturales que l'on pouvait admirer aujourd'hui, la majorité des églises et des palais, ainsi que de très nombreux quartiers populaires. À partir de la fin du XVIIe siècle, Naples avait connu un fort renouveau artistique conduisant à l'adoption d'un style baroque flamboyant, tout à fait original, et aujourd'hui reconnu et nommé par les historiens d'art le baroque napolitain. Le Palais Royal en était un merveilleux exemple, avec sa façade à arcades très symétriques, composée d'alvéoles qui se reproduisent à l'infini. Un autre monument emblématique de la cité napolitaine est sans contestation possible la galerie Umberto I et son incroyable verrière, symbole de la puissance industrielle de la fin du XIXe siècle. Ce monstre de fer et de verre reprend le plan cruciforme des basiliques, tout comme leur majestueux dôme à la croisée du transept. À l'intérieur, le sol est paré de grands rectangles de marbre aux figures géométriques, comme c'est souvent le cas dans les nefs basilicales. La galerie est un temple, oui. Un temple dédié à la modernité, abritant appartements bourgeois, bureaux et boutiques de luxe réunis en un même lieu, sous une même emprise, tout simplement vertigineuse. Quelques rues plus loin, il Palazzo dello Spagnolo offre au regard un escalier baroque des plus majestueux, ouvert sur la cour intérieure et conçu, selon l'expression consacrée, en aile de faucon. C'est un espace convivial où chaque alvéole correspond avec les autres dans un agencement symétrique tout en volute. À Naples, l'esprit baroque se retrouve jusque dans les ruelles sur les étals des boutiques. La Via San Gregorio Armeno est peut-être la plus pittoresque des rues commerçantes de la ville, avec ses ateliers d'artisans locaux, ses masques de Polichinelle, personnage central du théâtre napolitain, ses marionnettes et ses santons entièrement réalisés à la main. Naples est aussi une cité riche d'un patrimoine religieux tout à fait exceptionnel. La cité compte près de
450 églises démontrant toute la ferveur de sa population. Mais ce nombre très élevé cache aussi une autre réalité. L'importance du culte des saints dans la culture napolitaine, car c'est probablement l'endroit d'Italie où on en rencontre le plus grand nombre. La cité se targue d'ailleurs de posséder une bonne cinquantaine de saints patrons, dont de nombreux saints guérisseurs comme San Gaetano di Thiene, protecteur contre les épidémies et notamment la peste qui a souvent ravagé ce port de Méditerranée, San Domenico, San Gennaro, Santa Patrizia compte aussi parmi les plus populaires de la cité. Ainsi, les édifices se succèdent de quartier en quartier, affichant une grande diversité de styles gothiques ou baroques, avec des façades parfois classiques, parfois totalement extravagantes, comme celle de la célèbre église de Gesù Nuovo et ses pierres taillées en pointe de diamant, vestige d'un ancien palais de la Renaissance dont seule la façade a été conservée. Sur une petite colline qui domine la ville se dresse un autre édifice religieux emblématique de la cité, la Chartreuse San Martino. C'est un complexe très imposant construit au temps où la maison d'Anjou régnait sur la ville. Il fut embelli par la suite sous domination espagnole lorsque le style baroque s'imposa comme la référence d'un esthétisme moderne. Le grand cloître au centre du complexe monastique est probablement la plus belle expression de ce baroque napolitain. C'est magnifique, Jean-Paul. Oh, regardez tous ces crânes. C'est vraiment étrange, hein ? C'est magnifique. C'est beau, hein ? Ce monastère faisait partie des petits trésors de Naples, fort nombreux au demeurant et disséminés dans tous les quartiers de la ville sous un passage, au détour d'une ruelle, derrière une façade sans éclat. Notre travail nous obligeait à aller vite et à l'essentiel, mais j'avais tenté de présenter à Sophie un vrai condensé de richesse en accent sur la grande mixité artistique de cette belle cité, tout en regrettant bien sûr le rythme effréné de nos déplacements et l'impossibilité de consacrer le temps nécessaire à une vraie découverte de la vie napolitaine, oui. Mais c'est le métier qui veut ça. Et comme à notre habitude, c'est de nuit que nous finissions notre visite de la ville avec la découverte d'un autre monument urbain tout à fait original, il Castel Novo. Il avait raison. Non mais enfin Jean-Paul, mais où est-ce que vous êtes encore allé vous nicher? Il avait raison, Sophie. Qui? Théophile Bourdon. Qui ça? Théophile Bourdon, vous l'avez peut-être connu, c'était un vieux monsieur, c'était le correcteur du journal, il avait un pull tout mité avec des petites lunettes rondes. Il m'appelait souvent dans son bureau, il avait un poster du Castel Novo. Il me disait toujours « Luciani », il m'appelait comme ça, « Luciani, faites-moi un bel article un jour sur le Castel Novo, avec votre amour de la littérature, avec votre amour des pleins et des déliés, faites-moi un article et peut-être vous pourrez ébriguer un poste de rédacteur en chef. » Et qu'est-ce que vous voulez? Il m'avait jugé à ma juste valeur, quoi. Évidemment. Mais est-ce que ce monsieur vous a dit, Jean-Paul, que ce Castel Novo était une véritable citadelle médiévale avec ses tours d'angle typiques du XIIIe siècle et qu'il a été appelé Château Nouveau pour célébrer le couronnement de Charles Ier d'Anjou, le premier roi français au royaume de Naples? Oui, ça, Théophile Bourdon m'en parlait souvent, mais vous savez qu'avant les Français, Naples appartenait au royaume de Sicile, à l'époque où les Normands régnaient en Sicile, ils avaient fait de Palerme leur capitale. Mmh. Et puis, en 1266, effectivement, les Angevins ont débarqué en Sicile, ils se sont emparés de l'île et puis ils y sont restés une vingtaine d'années. Ils ont été chassés de la Sicile et en 1282, ils ont rapatrié leur couronne ici à Naples. Ils ont créé leur royaume avec Naples comme capitale, d'où l'existence à l'époque de deux royaumes, celui de Naples
et celui de Sicile. Et puis, deux siècles plus tard, au XVe siècle, Alphonse V, le premier roi d'Aragon, s'empare à la fois de la Sicile et de Naples. Il va réunir les deux royaumes et de fait, il va devenir le suzerain du royaume dit des deux Siciles. Et d'ailleurs, ils vont en profiter pour renforcer les fortifications de ce château parce qu'effectivement, l'artillerie avait fait des progrès à l'époque. Et vous savez, Jean-Paul, qu'il a fait réaliser cette arche triomphale en guise de portique pour célébrer sa victoire contre les Angevins. Mais pour tout vous dire, il n'a pas vraiment combattu pour avoir Naples. En réalité, la reine Jeanne II de Naples était en grande difficulté, menacée sur son trône par les Bourbons. Et donc, elle fait appel à lui pour lui venir en aide. Et devinez où est-ce qu'il était, devant les remparts de Bonifacio qui l'assiégeait depuis des mois. C'est une histoire qui est très connue, ça, en Corse. Bonifacio, assiégé, veut rester génoise. Et c'est pour cela que la Corse n'a pas basculé dans le camp aragonais, comme la Sardaigne à la même époque. Enfin, l'histoire de Naples, Jean-Paul, est quand même très compliquée, parce que Naples est restée aragonaise pendant une cinquantaine d'années. Et puis ensuite, les Français sont revenus en nombre, en force, ils ont récupéré le château, ils se sont emparés d'un butin absolument fabuleux. Et savez-vous qu'à la bibliothèque de Paris se trouvent encore des ouvrages issus du pillage de la bibliothèque du roi d'Aragonais, et dont le commentaire sur l'Apocalypse écrit par Saint Béat au 8e siècle. Alors ça, en revanche, Théophile Bourdon ne m'en avait pas parlé, hein, pour être franc. Cela dit, comme le royaume d'Aragon n'existe plus, la France n'est pas tenue de restituer ce trésor inestimable. Enfin bref, les Français n'ont fait que passer puisque les Espagnols ensuite ont assiégé la ville. Oui, c'est vrai. Et vous savez que Naples est restée longtemps une pomme de discorde entre la France et l'Espagne. Il y a eu d'ailleurs de nombreuses guerres d'Italie en raison de Naples ou à cause de Naples. Et puis, tout doucement, la France s'est retirée du jeu jusqu'aux conquêtes napoléoniennes où là, les combats ont repris force et vigueur avec leur lot de conquêtes et de retraites. Et Naples est passée ainsi de main en main. Enfin, depuis qu'on est arrivé, Jean-Paul, on ne parle que de guerre. Les Aragonais, les Français, les Espagnols, les Normands. Mais Naples n'a été qu'une succession de conflits. Ben oui, c'est vrai. De toute façon, ces palais royaux, ces châteaux en témoignent. D'ailleurs, il faudra qu'en fin d'article, on rende un petit hommage à Théophile Bourdon. Je crois que ce serait bien. Quand même. Ah ben, j'ai l'habitude. Et vous voulez pas écrire, vous, cet article pour avoir votre poste de rédacteur en chef? Non, mais je ne l'aurai jamais. Vous savez, je suis tellement humble. Vous savez, il y a quelques années, au bord du lac Victoria, j'avais écrit un papier qui aurait pu me valoir le prix Albert Londres. Eh bien, une nuée de flamants roses s'est jetée sur ma table en tête et ils m'ont emporté mes articles qu'on a retrouvés en Chine. Voilà, alors vous savez, moi, non, écrivez-le, l'article, ce sera vraiment beaucoup mieux. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez? Je suis polie, je vous écoute, mais j'ai froid et j'ai faim. Alors écoutez, si vous avez froid, couvrez-vous un peu plus, et puis si vous avez faim, eh bien on va aller souper, voilà. Attendez-moi! Mais allez, Jean-Paul! Et il avait raison, hein. En tout cas, ça valait vraiment le coup de venir ici la nuit. Oui. Mais Sophie avait raison. Nous en avions assez vu pour rédiger notre article. Après tout, une connaissance approfondie de Naples ne pouvait s'opérer en quelques jours, c'est évident. L'important était de mesurer le potentiel de cette cité, d'en ressentir les bonnes vibrations, de se laisser aller à l'émerveillement et de pouvoir retranscrire tout cela à nos lecteurs. En allant chercher de quoi nous restaurer, eh bien, nous repassions devant les principaux monuments du centre-ville magnifiés par la nuit napolitaine et le jeu des lumières de l'éclairage public. Je dois vous avouer que je trouvais ce baroque napolitain bien plus gracile à la lueur d'un clair-obscur. Je dévorais littéralement le pavé, j'avais l'impression de glisser au-dessus du sol. Je crois que j'étais enivré par toute l'énergie de la ville. Mais les auteurs romantiques du XIXe siècle l'avaient bien perçu. Naples est une fête permanente, de jour comme de nuit. Oh, mais Jean-Paul, mais vous me gâtez! Mais vous m'aviez dit qu'on dégusterait des spécialités napolitaines. Vous avez
toute la tradition napolitaine sur la table, Sophie. Alors, ce sont des pizzas, Jean-Paul. Mais faites-moi confiance, Sophie. Faites-moi confiance. Oh, pardon. C'est bien, hein? Quel bonheur. Vous savez, Naples, c'est une ambiance. Il faut goûter au plaisir de la table à Naples. C'est le royaume de la pizza. Ici, on dit la pizza non ha padre, non ha padroni, non ha inventori. È il frutto della genialità del popolo napoletano. La pizza n'a pas de papa, pas d'inventeur, pas de patron. Elle est le fruit de l'ingéniosité du peuple napolitain. Et moi, pour être franc avec vous, tous ces musées, tous ces palais, toutes ces rues, ça m'a donné une faim de loup. Alors, c'était donc ça, ces merveilles que vous vouliez me faire découvrir, Jean-Paul? Enfin, il n'y a pas que ça. Mais disons que la pizza, elle est connue dans le monde entier. Je ne suis pas sûr que dans le monde entier, on connaisse les palais napolitains. C'est vrai que si l'on juge en termes de réputation, je crois que la napolitaine détrône un bon nombre de monuments italiens. Alors justement, moi maintenant, je vais commander une pizza napolitaine avec une pâte très fine, avec les bords qui sont légèrement relevés, la mozzarella, les câpres, les olives et les anchois. Les câpres et les anchois. Jean-Paul, il n'y a pas d'anchois sur la napolitaine. Sophie, je vais vous faire un compliment. Je vous admire parce que vous êtes une spécialiste des monuments de la Renaissance. Non, je vous le dis, Sophie, il y a longtemps que je voulais vous le dire. Mais sur la pizza, vous avez devant vous un expert. J'ai un doctorat en pizza. Alors, je peux vous dire, mais oui, je peux vous dire que sur la pizza napolitaine, il y a des anchois et c'est assez naturel. Naples est une cité portuaire. Les Napolitains mettaient des produits de la mer sur leur pizza, évidemment. Jean-Paul, je suis vraiment désolée de vous contredire, mais il existe pour cette pizza napolitaine un label depuis 1984, quand même, qui précise qu'il n'y a pas d'anchois sur la pizza napolitaine. Elle est composée de copeaux de tomates, de mozzarella di bufala, de basilic frais, d'un petit peu d'ail, d'origan, d'un filet d'huile d'olive et de sel marin. Il n'y a pas d'anchois. Moi, je viens des années 70, où on avait au moins le respect de l'appellation des produits. Mais comme il n'y a plus de valeur, on ne respecte plus rien. Moi, je vous parle d'une époque que vous n'avez pas connue, Sophie. Voilà. Bon, c'est vrai, vous avez raison. La pizza a quand même été inventée à Naples. Je vous l'accorde, il y a fort longtemps. Et d'ailleurs, son appellation dérive du dialecte napolitain et du mot fogaccia. C'est vrai. Le mot fogaccia apparaît dans un ouvrage de 1535, écrit en langue napolitaine, et dans cet ouvrage, il est question aussi de pizza. Mais les historiens ne sont pas d'accord entre eux. Certains prétendent que la pizza aurait été inventée au Xe siècle. Alors moi, modestement, je vais apporter ma pierre en disant que ça remonte à l'aube des temps. Parce que quand on regarde nos livres d'histoire, on s'aperçoit que nos anciens disposaient sur des galettes de blé des aliments. Donc vraisemblablement, la pizza n'a pas été inventée à Naples, mais elle a certainement été inventée en Italie. Et en tout cas, Jean-Paul, au début, il n'y avait pas de sauce tomate sur la pizza. La sauce tomate n'est apparue qu'à la fin du XVIIIe siècle. La légende raconte que lors du voyage d'Humbert Ier de la reine Marguerite, eh bien, c'est à ce moment-là que la pizza Marguerite a été inventée. En son honneur, bien sûr, le rouge pour la sauce tomate, le blanc pour la mozzarella di bufala et le vert pour le basilic frais. Bon, alors là, faut que je vous dise ce qu'on a dans l'assiette quand même. Là, allez-y, dites-moi. Vous avez une pizza vraiment traditionnelle. Les vieilles napolitaines faisaient ça. Alors, vous avez une sauce de ragoût qui a mijoté pendant 48 heures avec des petits morceaux de cochon et de veau. Ensuite, on badigeonne la pizza, on la met au four. Et la voilà, c'est vraiment la plus ancienne. Enfin, celle qui avait été un peu oubliée, qu'on a remis au goût du jour. Mais c'est la même tradition. J'en avais jamais vu. Ça ici, c'est les grands-parents, les arrière-grands-parents faisaient ça. Là, vous avez le plat du pauvre, une fogaccia, c'est-à-dire quelques brins de salade, de la mozzarella et cette pâte. Voilà. C'est très bon, mais c'est vraiment le plat des pauvres. Là, vous avez une pizza avec des morceaux d'artichaut
deux saisons avec de la salade croustillante. C'est vraiment un produit du terroir, un produit du jour. C'est une pizza de saison. Oui, c'est une pizza saisonnière, tout à fait. Et la vôtre, là-bas, oui. Vous voyez ces bords comme ça qui font penser au bord d'un canot. D'ailleurs, les Napolitains la surnomment le canot. C'est un canot gonflable. Oui. C'est une marguerite. Une Napolitaine, Jean-Paul. En tout cas, Jean-Paul, j'ai un secret. Mon grand-père était Napolitain. Et vous me faites découvrir toutes ces saveurs d'ici. Mais celle-là, Jean-Paul, je la reconnais. La senteur, tout, la forme, c'est celle de mon grand-père. Et il n'y a pas d'anchois. Votre grand-père était napolitain? Oui. Je suis vaincu. Vous avez gagné, Sophie. Ça n'empêche que j'attends toujours ma pizza napolitaine avec les anchois. Allez, on la goûte. La mozzarella di bufala, le basilic frais, ça. Les copeaux de tomates. C'est bon la pâte. La napolitaine quoi. Ce repas de pizza dans la douceur noctambule napolitaine me ravissait, d'autant que j'avais pu montrer à Sophie comment les préjugés étaient le fruit de l'ignorance. Lorsque l'on connaît Naples, on fait fi de sa prétendue mauvaise réputation, car la ville offre bien des délices à ceux qui font l'effort d'aller à sa découverte. Ceux-là ne sont jamais déçus tant ses rues et ses quartiers possèdent un charme infini. Un mélange suave de douceur de vivre et de frénésies artistiques incomparables. Thank you.